Canne. OK. Bon, comme tu peux voir, quand on veut passer du low, aller au high, il faut tourner cette position-là comme ça, puis chercher à faire remonter la fourchette ici à l'intérieur. Celle qu'il y a deux rouleaux, il y a deux pins, mais un seul rouleau. Fait que quand tu essaies de monter, hein, ben ça vient entrer en contact à l'intérieur. Comme ça, je vais répéter la même chose, mais sans engrenage. Là, c'est jamais en cette position-là. Et comme tu peux voir, ici à l'intérieur, l'action que la partie du bas va toucher. Est-ce que c'est ça qui peut nous empêcher de passer dans nos vitesses quand c'est sous charge, quand il y a une pression sur la fourchette? Puis pour quelle raison que cette butée-là, comme ça, et puis pas avoir mis deux rouleaux, pas avoir usiné cette partie-là pour la mettre comme ça? Parce qu'il y a vraiment une partie, le chemin-là, qui actionne avec le rouleau, puis celui-là que la pine est à côté. Puis dans le fond, on voit les traces que le métal, il y a un contact là, puis qu'il y a un contact avec la butée là, sur le dessus.